Salut. Je vous fais un direct nocturne. C'est vrai que généralement c'est à l'heure si qu'on finit. Mais là, je vous fais un direct. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je vois vos likes. Vous n'avez pas encore commenté pour me dire bonsoir. Bonsoir mes reines et mes rois. Bon, c'est devenu un devoir pour moi de venir ici chaque soir. J'ai dû me connecter ce soir parce qu'il y a des personnes, je dois vous adresser. Il y a des choses que je dois vous dire ce soir. Vous savez qu'il y a des soirs où on est sérieux, il y a des soirs où on n'est pas sérieux. On fait un peu comme ça. Bonsoir le roi Traoré. Bonsoir Trésor. Bonsoir la reine Sabine. Bonsoir le roi Christophe. Vous savez que beaucoup de choisis ont. Il y en a qui se découvrent. C'est maintenant que vous savez que vous êtes choisi. C'est maintenant que vous savez que, voilà. Ils ne me détestent pas pour rien. En fait, je comprends. Je comprends pourquoi la soeur de mon père ne m'a pas. Alors qu'elle ne lui veut rien. Mais elle ne m'a jamais aimé. La deuxième femme de mon père. Elle ne t'a jamais aimé. Tu fais n'importe comment. Donc, je suis là pour ce soir pour annoncer à certains choisis que. À tous les choisis, même. Je veux que vous puissiez être conscient du champ de bataille dans lequel vous êtes. Hier, je vous ai dit que, ok, ne vous inquiétez pas, si Dieu vous a protégé, quand vous ne saviez même pas que vous êtes choisi, combien de fois maintenant? Maintenant que vous connaissez que vous êtes choisi, vous n'allez plus retourner dans les mêmes choses d'avant là. Vous partez chez votre belle-mère là, vous mangez n'importe comment. Alors que tu sais que la femme ne t'aime pas. Elle est toujours en train de te. Envoie-moi même 20 000 là. À quoi cause de ta mère là. Envoie-moi l'argent. Elle prend ton argent et pas de travailler sur ça. Dès que tu as un copain dans ta vie, dès que tu appelles pour leur dire qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par moi. Ah bon? Hey, ma fille. C'est que tu as déjà été ma fille, non? Elle va toucher un peu ton cas. Le gars là va rester 2 semaines plus tard. Il va te détester naturellement. Simplement. Ok. Seigneur, je te remercie d'avoir amené les choisis qui sont ainsi connectés. Et ceux qui certains m'écoutent en différé. Je demande l'esprit de sagesse que ça se dépose sur eux. Je viens enlever l'aliénation spirituelle dont ils ont été victimes. Je déclare que vous sortez de la bêtise. Vous n'êtes plus un choisi qui est bête. Donne-leur, Seigneur, de voir les signes.
Quand quelqu'un les déteste là, qu'ils n'ignorent pas les signes, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous savez, souvent le problème avec les choisis, c'est que c'est comme si vous êtes bête. Tu sais que la femme, si ne t'aime pas. Trois fois même, tu as marché en route, les gens t'ont dit que fais attention là. La femme là, fais attention. Fais attention. Après, t'appelles, hey, ma fille, j'ai préparé, viens manger. Parfois, c'est même la mère de ton mari. Parce que c'est depuis que tu es marié avec son fils là. Non, les projets qu'il avait pour elle là, non, ce n'est plus la même chose. Tu commences à lui dire qu'économise ton argent, il faut qu'on ouvre tel. On construit des meubles, on met à location. Il faut qu'on ouvre le magasin là-bas pour élargir l'argent. Alors qu'avant que tu n'arrives dans sa vie, il souffrait. Tout l'argent qu'il travaillait, ça partait seulement à eux. Quand les gens vous ont montré leur vrai visage, ne faites pas semblant. Un jour, j'ai une femme ici qui est venue pour la délivrance. Elle sait. Même l'esprit lui dit. Quand on travaille, on voit qui est la cause. Mais dis toujours, tu sais, chaque fois que je viens au Cameroun, je vais aller la visiter. Tu visites quoi sur elle? Tu cherches, tu décroches son téléphone, pourquoi? Est-ce que vous savez qu'à un moment, il y a les appels que tu ignores? Tu fais... Ah... Le jour où la personne te coince, c'est que mais depuis tu ne décroches pas. Ah, tata, j'étais occupée. Tata demande ton argent tous les jours. Après, elle arrête de demander. Puisqu'on t'a dit, ne donne plus ton argent. Maintenant, tata vient commencer à te donner l'argent. Elle vient te donner 5 000, 10 000 là. Si Dieu vous montrait une minute les choses qu'on a concoctées contre votre destinée, et si Dieu vous disait ce que les gens n'ont pas touché au marabout, demandez sur vous, vous arrêterez d'être gentil. Tu es radical, le genre, tu vois la personne, tu ne ris même pas. Pas le genre que, hé, hé, tata, tata, tonton, hé, ce n'est pas tout le monde qui veut ton bien. Ce n'est pas tout le monde qui veut que tu finisses l'école. Tu as parlé à Wanda que depuis 5 ans, tu fais la première année. Oh non, la première année, j'ai accouché. C'est pour ça que j'ai repris la première année. La deuxième année, j'ai eu une petite maladie comme ça. Là. Ça a fait que je n'ai pas fini les examens. Les derniers tests de juillet. La troisième année, j'ai cassé mon pied. Oh, mais je vais encore. Non, ça va, j'ai espoir. Tu rêves, tu te vois sur les bancs tous les jours. Moi, je demande toujours que Dieu ouvre l'esprit des choisis. Parce que être choisi, ce n'est pas tout. Il faut que tu sois conscient. Il y a des gens qui te détestent et qui croient en tes dons plus que toi-même tu ne crois en toi. Donc quand tu es né, dès qu'ils ont vu le front de l'enfant là, d'abord la qualité de nourriture qu'on a, le salat qu'on a fait quand tu es né, les prophéties qui venaient, les cas qui viennent, on a ramené ta mère en route, on dit que non, ton enfant c'est là. Ils connaissent déjà depuis longtemps. Mais elles n'ont pas pu parce que vos anges vous protégeaient. Quand tu avais 2 ans, le plan qu'elle avait fait pour que tu... Elle est venue, elle t'a pris, elle a dit qu'elle partait quelque part en route avec toi. Elle a voulu que la moto te colle là. Ça n'a pas marché. Elle a déposé ta nourriture, le chien est venu manger. Il y a les... Dieu vous a toujours sauvé. Maintenant, il est temps que toi-même, tu croies que... Si les gens là m'ont tellement poursuivi et combattu, et ils avaient vu quelque chose en moi, il faut que je voie ce qu'ils ont vu en moi. Ils ont foi en vous, même que plus que vous n'avez foi en vous.
Ah, c'est seulement moi, non? Comment ils peuvent me détester comme ça? Vous ne savez pas ce qu'ils ont vu en vous. Ils ont vu les immeubles. Les immeubles que vous êtes censés sortir de la terre. Ne mettez pas les likes sur ma vidéo, hein. Ne partagez pas. Moi, je dirai ma vérité jusqu'à ce que Dieu dit que ne dit plus. En attendant, je vais dire. Ils t'ont bloqué pour que tu as fait le visage même 5 ans. On t'a attrapé à l'aéroport, tellement de fond, on t'a renvoyé. Tu es parti, tu voulais traverser, tu es rentré. Tu voulais traverser, tu es rentré. Parce qu'ils savent que si ton pied touche l'euro, dès que ton pied touche là, le genre de faveur que tu vas voir. Parfois, il faut le genre que tu arrives en euro, Mozart, tu ne fais plus rien. Donc, voilà l'apogée de ta vie. Tu es entré dans l'avion, tu es arrivé en Europe, on t'a déposé, c'est fini. Toutes les choses ne marchent, les papiers sont bloqués depuis. C'est comme si quelqu'un là-bas, à la commune, a pris ton papier, s'est assis sur ça. Il s'est assis sur ça. Ça a disparu du bureau. Quand tu dis il est vivant là, qui est vivant? Eric Stéphane Tagne. Quand vous venez dans mes directs, vous faites des commentaires qui n'ont pas de sens là, je n'aime plus rien. Il est vivant. Qui? Il était d'abord mort. Toi, les chrétiens, que quand vous ouvrez les yeux, tout pour vous, c'est seulement que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité pourquoi? Tu dois savoir pourquoi il est vivant. Il ne s'agit pas seulement d'aller crier, crier. Quand Jésus est vivant dans ta vie, ça se voit. On n'a pas besoin de te dire. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un qu'il est vivant. Quelqu'un te voit et dit, hey! Jésus est vivant. Non, 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 ma soeur, tu sais quoi? God live. Bonsoir, aimé. Maintenant, il est temps que vous puissiez prendre conscience de vous. Il y en a parmi vous depuis que vous avez 15 ans. Vous avez prophétisé sur votre vie. Que je sais que je n'ai pas fini au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que je n'ai pas fini dans le pays ici. Même quand il va arriver en Europe, je ne vais pas souffrir. Tu arrives là-bas, tu es au centre fermé, les gens cherchent les papiers. Tu dis que moi, je sais qu'elle ne va pas souffrir pour avoir mes papiers. Dès qu'elle va avoir mes papiers, je vais partir au Cameroun, je vais faire mes immeubles. Tu as toi prophétisé ta chose depuis longtemps. Waouh, à 6 mois. Waouh. Bonsoir et bienvenue au nouveau. Bonsoir les reines et les rois choisis. Bonsoir Berline. Il est temps que vous puissiez croire en ce que les gens qui vous détestent voient en vous. Donc, quelqu'un reste aussi, regarde tes statuts, ça l'énerve. Toi, tu ne sais pas pourquoi ça t'énerve. Ouais. Dès que tu postes là, tu vois que c'est tous les. Dans les 5 premières minutes, là, c'est la première personne à regarder. Ne commente jamais. À croire que les combats, souvent votre corps traverse les combats. Tu vas te coucher comme ça là, tu te lèves le matin, ton corps te fait mal. Afmide, ils sont repartis redoubler encore l'argent sur le marabout sur toi. Parce qu'on a vu, tu avais acheté une nouvelle voiture. On dit que non, l'enfant, si elle ne peut pas quoi.
soyez conscient des batailles spirituelles dans lesquelles vous êtes. Maintenant, la bataille spirituelle, ça ne veut pas dire que toute ma journée, je vais passer mon temps à dire, oh, telle personne m'a attaqué. Oh, telle personne m'a mangé la nuit. Oh, telle personne m'a fait ceci. Mm-mm. Si les gens là me cherchent, c'est parce que ils ont vu une lumière en moi. Ils ont vu mon futur. Et beaucoup d'entre vous, vous avez toujours su, même quand vous étiez dans la misère, à Congo là-bas, tu savais que tu vas finir au Canada comme tu es là aujourd'hui. Quand tu marchais en rentrant du lycée bilingue comme ça là, dans la poussière, tu mettais tes pieds dans la poussière là, tu savais que quelque part en toi, tu sais que non, je ne suis pas censé finir cela. Mais pourquoi tu t'es arrêté? Quand tu avais 15 ans, tu as parlé. Aujourd'hui, tu es en train de vivre ça. Pourquoi tu t'es arrêté? Oh, tu ne peux pas comprendre les situations, tu ne peux pas comprendre. J'ai cru, j'ai parlé, vraiment, non, tu ne peux pas comprendre, j'ai trop souffert. J'ai trop souffert. C'était parmi vous, on avait prévu que tu meurs ou tu fasses accident, tu risques dans la chaise roulante. On avait prévu que l'homme que tu as rencontré, vous êtes marié là, qu'il te finisse seulement. Et toi, voilà, tu t'es échappé jusqu'à ce que tu es en train de travailler à nouveau. Tu es en train de voir ton argent en banque qui commence à monter encore. Tu es en train de recommencer tes business, tu envoies encore les choses, tu vends. Ça commence à aller. Ta photo est déjà partout, Trésor. Donc, si tu dis que tu ne mets pas ta photo, ils ont déjà ta photo. Maintenant, chaque soir, je suis étudiante, je suis en train de parler pour que vous puissiez vous éveiller. Prenez conscience. Un choisi. Tu te lèves seulement le matin, tu pries. Ils t'ont attaqué, tu ne te protégeais même pas. Mais Dieu te protégeait déjà. Combien de fois maintenant, quand tu es conscient? Et il y a une façon souvent de voir, ils ont les messages souvent comme les flèches qui viennent sur toi. On check ton statut. Tu es dans la fête. Mais ça, c'est vous, tu es toujours en boîte là. Tu fais toujours la fête. Tu fais toujours la fête. La vie est belle, hein. Bonsoir, la reine Mecca. On fait tout pour te casser. Tout. Il faut qu'on te casse. Et dès qu'on te casse, tac, 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 on te met à terre là. Parfois, ils viennent comment, ils regardent ta statue, ils vont avec les commentaires. Que, tu as pris du poids, hein. On ne voit pas la voiture que tu conduisais. On va voir le ventre, comme tu es un peu grossi là. Je dis que je mange bien pourtant. C'est pour ça que la vie est belle. Je n'ai plus de soucis. Donc maintenant, il est temps que vous puissiez croire. Si quelqu'un peut se lever chaque mois, il passe chez le marabout pour te tuer. C'est parce qu'il a vu que si l'enfant s'y vit jusqu'à 53 ans, il sera milliardaire. S'ils ont vu le milliard sur toi, pourquoi toi tu ne vois pas le milliard sur toi? Hein? Vous devez vous offrir une boisson demain. Vous vous asseyez comme ça, vous vous mince. Mais moi, même là, ils ont peur de vous. Ils savent que si elle lance un business, il y en a parmi vous. Elle. Quand tu t'habilles, tout le monde va acheter, tout ce que tu portes, on veut acheter. Ils savent que si tu es conscient, tu peux ouvrir un business si tu vends les vêtements. Tu vas habiller même les présidents. Maintenant, ne soyez plus illettré. Je veux que vous recevez une conscience. Quand le message de la personne là vient, tu regardes comment ça la décepticon. Et le truc, c'est que toi, tu n'as jamais envie de voir même ces statues. Et c'est les premiers sur tes statues. Ce qu'elle est choisie, hein, naturellement, tout vient à eux. Tu vas voir un choisi, comment il prend le téléphone, il commence à faire les photos, ça donne. Il ne peut pas, oh, c'est bon. Il fait peur à la maison, oh, c'est bien. Donc, tout ce qu'il fait, ça, parce qu'il a mis sa main sur ça, ça donne. Et c'est ça qui les dérange. Bonsoir.
Bonsoir, la reine Agathe. Croyez en vous-même maintenant. Voyez vos immeubles. Jusqu'on finit comme ça, là, on met le toit, on fait tout. Tu regardes. Tu te donnes moi aussi. Tu restes comme ça là. Tu achètes ta cinquième voiture. Tu mets ton quatrième camion sur la route. Ils vont avoir votre macabre. Ils vont avoir votre macabre. Ça va le faire mal. Vous n'avez même pas encore commencé. Donc, vous n'avez même pas encore commencé. Vous avez essayé de, vous avez fait la fondation du premier immeuble, ils sont entrés, ça les énerve. Quand vous allez lever le cinquième immeuble, ils vont faire comment? Parfois, ce sont vos frères, ils discutent de la fortune du père. Chacun veut faire le favori. Toi, tu sais dans ton cœur que je n'ai même pas besoin de discuter ça. Parce que je connais la fortune qu'il y a dans moi. Je connais. Il m'a que laisser tout ça. Je connais ce que je veux. Et généralement, ils vont venir souvent. Parfois, ce sont vos grands frères. Ils vont beaucoup vous insulter. Tu vois, quand tu étais jeune là, tu étais la plus petite ou le plus petit là. Tout le temps, pourquoi tu as fait ça? Oh, tu n'écoutes jamais quand on te parle. Tu te maries, ça échoue. Voilà, on t'avait parlé, tu ne comprenais pas. Hein? Voilà. On ne voit pas que tu as fait cinq choses et ça a marché. Ton mariage a échoué, mais les cinq dernières choses que tu as fait, ça a marché. C'est sur le mariage qu'on va venir parler. Tu vois? Tu vois, regarde. On t'avait dit. Vous ne voyez pas que j'ai. Regarde les six derniers mois, regardez ce que j'ai fait. Ils ne peuvent pas apprécier tes progrès. Chaque mois, depuis 6 mois, je voyage. Mes affaires marchent. Parce que j'ai fait un petit accident comme ça là. Vous attendez seulement que je meure. Hein? Tu as entendu qu'on m'a détecté positif au corona. Tu attendais seulement qu'on mette mon cercueil en terre. Menti. Ils ne vous peuvent pas. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Ils ne peuvent pas. Maintenant, vous allez apprendre qu'en dépit des gens qui vous détestent. Donc, écoutez, le succès ne va pas attendre qu'ils arrêtent de te détester. Mais tu t'habitues genre. C'est pour ça que je comprends maintenant le rap, le hip-hop américain. Quand vous voyez les paroles, vous traduisez. C'est seulement la bagarre. Que vous me détestez, mais vous ne pouvez rien. J'avance, je réussis. Tout ce que je fais, ça marche. Que them haters. Mes Decepticons-là, vous ne pouvez rien contre moi. Je crois qu'il faut qu'on commence à faire du hip-hop français comme ça là. Les Decepticons, vous ne pouvez rien contre moi. La lumière de Dieu brille sur moi. Ouais, vous avez essayé de me tuer 3 fois. Oh, Seigneur. Après le refrain. Lorsque la main de Dieu est sur toi, personne ne peut rien comme toi, Seigneur. Personne ne peut te toucher. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Lorsque la main de Dieu est sur toi, ils vont te détester tous les jours. Mais personne ne peut te toucher. Lorsque la main de Dieu est sur toi. Hé! Hey! Tu mets ça dans ta voiture, tu mets le volume. Que boum, 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 boum. Vous habituer. Un de ces chicken. Ah oui. Les stars font avec les paparazzi. On les a habitués que quand ils sortent, habituez-vous de ces chicken. Donc leur attitude ne doit plus attirer votre attention. Tu te lèves le matin, ok, je dois aller faire ça, ça, ça. Ah oui, un de ces chicken, on continue. Ah, de ces chicken. Hey!
sont là. Ils vous guettent. Parfois, ils sont dans mes directs. Ou ils font quoi dans mes directs? Oh. Fatou Dima, ce n'est que le début, hein. C'est pour ça que vous êtes abonnez-vous sur ma page. Dans 12 mois, quand tu vas regarder ta vie, mof, toi, tu n'en reviendras pas. Mais oui, non. Parfois, ce sont tes frères. Même père, même mère. Quand peut-être tu es bloqué quelque part, tu as peut-être, on t'a peut-être volé comme ça, là, tac, tac, tu as perdu, tu as besoin depuis même 50 000 pour gérer une situation que je te donne en 2 jours. Il dit non. Après un mois, il te dit que j'avais l'argent là, mais il ne faut pas moi te donner. Il te dit, oh ah. C'est pour ça que les situations de décès psychonaissants ne peuvent plus te déranger. Ça ne te dérange plus. Parce que ce n'est pas ta famille là-bas. Physiquement, vous êtes sortis du même ventre. Mais c'est ton esprit qui contrôle ton corps. Est-ce que vous avez le même esprit? C'est pour ça que souvent, tu vas dans une famille. Un est milliardaire. Il est dans tes voyages, sa tour de contrôle là-bas. Tu vois ses frères là-bas. Et quand tu t'approches de ses frères, la jalousie qu'il y a dans leur cœur. Il croit même que quoi? Tu auras besoin de nous. Quand il va falloir t'enterrer, c'est toi. Tu auras besoin de nous. Vous attendez ma mort. Vous attendez, vous allez attendre longtemps. C'est même dans 70 ans, hein. Il y en a qui vont vous dire comme ça, la clé devant toi, cache. Ça va tellement leur faire mal. Et les familles consanguines, alors c'est grave. L'autre là, c'est grave. Grave. Parce qu'il ne cache même plus. Bonsoir, Marthe. Famille consanguine. Surtout quand le père n'a pas bien géré, alors ça. Quand le père n'a pas bien organisé, que toi, là, voilà, t'as pas. Toi, voilà ta part. La mère vient se mêler. Elle vient parler des autres. Donc, retenez bien mon message d'aujourd'hui. Ils croient en vous. C'est pour ça qu'ils font tout pour vous détruire. Croyez en leurs croyances, donc croyez en vous-même. Il y en a parmi vous, vous avez les lignes de vêtements, les livres que vous devez écrire, les choses, ceci, cela. On dit, ah, moi j'ai peur, si j'ai fait le livre, tout le monde va lire, non? Oui. Ils vont lire ton histoire, ils vont faire quoi avec? Tu as vu qu'on a pris le livre, quelqu'un est parti de chez le marabout avec le livre pour le tuer. Habitue-toi au succès. Habitue-toi à te voir partout dans la rue. Quand je suis arrivé au Cameroun, parfois les gens m'écrivent dans telle ville que je te suis à la télé. Je me suis dit, j'ai accepté, je suis habitué. Souvent, parce que quelqu'un me dit que je te connais quelque part. Je dis, peut-être tu m'as vu à la télé. Pas seulement. Bonsoir, Sidonie Prudence. Bonsoir, José. Habituez-vous. Dieu t'a mis à cœur depuis. Lance ta page Facebook. Oh, ils vont me voir, ils vont me voir. Hey, quand tu as grandi dans leurs mains, ils te voient tous les jours, non? Ils ont essayé, ils n'ont pas pu, non? Souvent, même là, vous avez peur, c'est vous qui donnez le pouvoir de ceux que tu connais. Judith Colombe, contacte-moi.
pour écrire ton livre, contacte-moi. Beaucoup d'entre vous devez écrire vos livres. Je ne sais pas ce qui vous plaît. Parfois aussi, vous voulez. Si tu veux écrire le livre, tu n'as pas prévu que tu vas dépenser. Parce que vous-même, souvent, là. C'est pour ça que je vous dis qu'un choisi doit avoir l'argent. Parce que pour faire certaines choses que Dieu t'a appelé à faire, tu as besoin de mettre l'argent sur ça. Supposons un roi, une reine. Ton habit, même seulement, ça coûte. Comme vous avez remarqué que la façon dont je m'habille maintenant, ça demande de l'argent. Même ton trône, décorer ta maison, ça demande de l'argent. Quand on fait ton couronnement, tu dépenses parce que tu confirmes, tu lis là. Parce que quand on vous donne les petits prix, là, vous commencez à dire, hey, c'est cher. On n'est pas prêt. Il nous les redit. Et le truc, c'est que parfois les choisis prennent les choses trop à la légère. Quelqu'un va partir chez le marabout, hein. On va lui dire, pas chez elle, tu plantes ça dans sa cour. Ça va la bloquer. Samedi, il va te dire que je viens chez toi. Il va tout faire jusqu'à venir chez toi. Toi, maintenant, Dieu va te dire en retour que contacte la fille ici, que contacte-moi, tu me regardes chaque soir. Depuis un mois qu'il te dit, il ne m'a pas contacté. J'ai dit seulement, hein, ne vous inquiétez pas, ça va bien vous chauffer. Papa, il a lancé récemment. Et vous n'avez pas encore lu l'heure. Quand le Decepticon. Quand le Decepticon veut faire quelque chose contre toi, il ne va pas hésiter. Il va mettre tout en jeu. Pourquoi tu n'avances pas? Bonsoir Marie. Et ça, je parle pour beaucoup de personnes. Il y en a qui me comprennent très bien. Vous savez de quoi je parle. Mais il y en a que. J'ai eu un jeune homme aujourd'hui qui est venu me voir. Endormi comme tout. Tu lui dis même qu'il y a des. Tu dois arrêter de coucher à gauche, à droite. Il te regarde. Tu dis qu'arrête de faire ça. Arrête de faire ça. Tu pries. Avant que tu fais ça à la maison, les gens qui doivent aller te voir faire des trucs contre toi, ils ne perdent pas le temps. Quand ils reçoivent l'instruction, ils partent fidèlement faire. Comme le mot fidèle là. Bonsoir la reine Chuan, le roi Chuan. Bon, je passais seulement le flash aujourd'hui, hein, parce qu'il est 22h. Il est 22h moins. Donc, il fallait que l'information soit là. Eva, bonsoir. Toi, tu es focalisé seulement sur les photos. Somme-lui, comme tu parles là, je suis sûr que tu n'as pas l'argent.
Est-ce que tu as une activité qui te donne l'argent? Moi, j'ai les règles de base avec les choisis. Et tout le statut. Tu dois être occupé pour chercher tes dos. Là, souvent vos questions que j'ai lues là-bas, ne commentez même pas. Tu t'attardes sur les petits détails. Alors qu'ils ont tout fait pour que ton argent n'augmente pas. Tu ne vois pas. Devenez sage. Concentrez-vous sur ce qui est important, qui va vous faire avancer. Quel désir croit en toi, ça veut dire que le truc que tu voulais ouvrir là, va ouvrir. Si tu ouvres ça, tu seras tellement occupé que tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas le temps pour aller dire que tu vas mettre les statuts. Même tes statuts seront les statuts de business. Il faut que la façon que les dessins que vont checker si tu as là ou pas. Qu'on voit seulement les postes de business. On voit tu vends les voitures de 12 millions. On dit, ah non, là, elle vend l'argent. Elle vend que les voitures de 10 millions, 15 millions. Vous comprenez ce que je dis? Ah, j'espère que vous comprenez. Vous savez qu'elle parle seulement ma parole. Ce qui me dit de dire, je vous dis non. Vous n'écoutez pas, il n'y a pas de problème, non. Cachez-vous toujours. Votre focus, votre attention doit être pleinement sur ce que vous avez à faire. Me lève le matin. Même si on t'a appelé pour te dire qu'on a dit telle chose sur toi, on a raconté ça sur toi. Ce n'est pas ton problème. Voilà ce que j'ai à faire. Je dois finir mon livre. Bonsoir le roi Changa, bonsoir la reine Carole. Je dois finir mon livre. Je dois mettre mon programme en ligne. Je dois faire ça. Parce que les choses-là, c'est ça qui va me donner l'argent. Ta première façon de te libérer de l'emprise de qui que ce soit. Parce que beaucoup de choisis, on vous manque de respect parce que vous n'avez pas l'argent. Peut-être que tu es dans ça, tu as encore une chambre chez la tata là. Ou bien à la fin du mois, si tu demandes, voilà le premier non. Si tu as appelé, tu demandes qu'on te donne l'argent non. Voilà, ton focus n'est pas là, tu n'es pas concentré. Le meilleur compliment qu'on m'ait fait une fois, c'était une de mes amies. Ah, tu es trop concentré sur tes choses. Tu es trop concentré sur tes affaires. Parce que à l'époque, je voulais faire des ateliers avec elle en France pour aider les femmes. On voulait même d'ailleurs lancer l'église ensemble. Chaque fois on se donnait rendez-vous pour travailler, elle va faire des longs commentaires. On s'assoit, il dit que je vais te montrer comment tu as fait ta page Facebook. Parce que je devais lancer ma part, mon ministère de mon côté, la même sa part, en ligne et puis physiquement, on fait ensemble. Toujours en télé, ouais, va être, oh, telle personne est venue là, oh, quand elle commençait un peu à parler, on savait, moi, il la laissait. Elle fait, après, je commence à dormir, je la laisse. Elle voit, je me lève à 2 h, je travaille, je bosse à 2 h. Un jour, elle se réveille à 4 h comme ça, elle me regarde. Même pendant 10 minutes, je suis sur mon ordinateur, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille. Je dis que tu n'as même pas mon temps. Je dis que ma chérie, elle a l'onction sur elle. Elle dit que ma chérie, l'onction n'est pas suffisante. Si tu n'es pas focus, si tu n'es pas focus,
dit, non, toi, tu es trop focalisé sur tes trucs. J'ai dit que ma chérie, tu as les objectifs. Ayez vos objectifs. Tu n'as pas resté, tu n'as pas le plan. Tu n'as pas un business que tu veux faire. Tu n'as pas un pays que tu peux partir. Ah ah, toi aussi. Tu dois avoir le genre de plan que quand tu dis à quelqu'un, il a peur de toi. Mince. Il t'est simplifié, hein. Tu es petite comme ça, là, mince. Quand tu connais là où tu pars, on ne peut pas te faire chanter avec n'importe quoi. Tu vas dire que ma gorge ne chante pas le genre de chanson aussi. Je vais créer le club des manqueuses de respect. La fille, t'es insolente comme ça avec les projets. Tu dis, hein, mamie. Et quand tu es une petite fille comme ça, tu dis que je ne suis pas petite. Hein. Je ne suis pas petite. Je suis pas petite. Donc, on se regarde, il y a un titre sur la vidéo aussi. Tu as compris? Ma gloire. Bienvenue d'ailleurs. Vous les choisissez, vous ne vous connaissez pas. Est-ce que tu sais, ça c'est la seule fois où je parlerai du corona ici, que le pouvoir qui est en toi, ça peut détruire le vaccin qu'on a injecté dans toi. Vous laissez trop les gens vous apeurer. C'est pas bon. Si tu peux avoir la foi et ton pouvoir détruit la maladie ou le cancer. Le cancer, c'est un corps étranger ou bien des cellules étrangères qui sont en train de se développer dans ton corps. Si ta foi peut détruire ça, tu penses que ta foi ne peut pas détruire le vaccin là? Ayez confiance en vous. Ayez confiance. Tu crois que son son vient t'affoler un peu. Et il faut avoir le sens, détecter un peu les humeurs des choses. Quand on annonce une nouvelle, si ça fait trop comme c'était là, ce n'est pas ma portion. Je ne m'affole pas, ce n'est pas ma portion. Et beaucoup d'entre vous, vous avez fait le vaccin parce que vous voulez aller travailler pour quelqu'un. Alors que depuis 5 ans, Dieu vous met à cœur, crée ton entreprise. Tu as fait la tétutesse, non? Tu as dit que tu maîtrises, non? Maîtrise. Ah, si je quitte le boulot, si je vais faire comment? Les gens cherchent le CDI. Tu vas fuir le CDI. Même CDA. Jésus a dit, il te sera fait selon ta foi. Si tu crois en toi, et tu crois en la puissance qui est en toi. Je vais vous lire un passage. Matthieu 17. Qu'est-ce que les sorciers aussi font dans mes directs? Donc, quand je vois un sorcier qui commente, il voit, après un moment, il lance son commentaire. Ça veut dire que tu écoutes aussi ce qu'il dit. Matthieu 17. Je viens d'abord rappeler que Jésus avait dit dans un autre passage que le royaume est en vous. Jean chapitre la révélation de ce passage est entrée dans moi. C'est entré dans moi. Jean 3. Verset 3. En vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Cette naissance, c'est tu nais à l'intérieur. Parce que Jésus a dit dans un autre passage, le royaume est à l'intérieur de toi. The kingdom is within. Laissez Tata Jocelyne vous enseigne un peu. «
Luc 17, 21. Luc 17, verset 21. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Dans la version anglaise, ça dit within you, ici dedans. Maintenant, Matthieu 18, verset 2. On va reprendre le verset 1, juste pour faire un peu le contexte. Bonsoir, la Reine Grâce. En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Il ne savait pas que le royaume est ici, ce n'est pas là-bas, c'est ici. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, verset 3, je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Or, le royaume est là. Il y a des choses de ton ancienne vie, de ce qu'on a dit, on dit là, que tu dois arrêter de croire. Il y a des choses que tu dois commencer à accepter. Donc, ça veut dire que quand je me faisais, je me voyais en train de chanter devant 500 000 personnes. Je me voyais en train de faire. Donc, c'est ça, Dieu. En train de présenter mes vêtements au président. Donc, ça commence dans toi. Et pour ça, tu dois devenir comme l'enfant. L'enfant qui croit. N'attendez plus que vos visions viennent de l'extérieur. Crois ce que Dieu te montre déjà dans toi. Maintenant, certains parmi vous, vous avez tellement souffert que votre vision est à terre. Genre, quand il vient de parler, même, je parle même de richesse comme ça, vous dites qu'elle ne connaît pas. J'ai souffert, moi. Elle parle même de quoi? La souffrance que je vois depuis 2 mois là, elle me parle de quoi? Je suis là pour vous annoncer que la bonne nouvelle, que vous n'avez plus besoin de souffrir. La souffrance est finie. Tu n'as plus besoin d'être pauvre. Bonsoir, la rose. Commence par ton imagination. Le canapé où tu es là, tu dors dans la chambre des enfants actuellement là. Bah, tu es en train de refaire ta vie, tu as tout perdu, tu as quitté l'homme là, tu as tout laissé. Tu es chez ta mère. Tu dors chez un de tes employés. Il y a des situations, hein. Un jour, j'ai dormi chez un de mes employés. Je suis retrouvé à la rue. Et l'employé avait la chambre. Tu m'as dit que je suis ton employé, tu dors, mince. J'ai on s'est dit que Seigneur, mon, je n'ai pas encore vu le jacy. Ça m'a touché, je suis tombé. Mais même étant sur le lit, là, le tapis qu'on t'a donné au sol, que tu dors sur ça, là, la nuit, tu as les visions. Dieu te montre que je vais te bénir. Je vais te bénir. Lève-toi, tu crois. Là, on a le soir, la nourriture même de ce soir-là, c'est quelqu'un qui t'a donné. Ce n'est pas ta situation de maintenant qui compte. Qu'est-ce que Dieu met en toi? Qu'est-ce que Dieu essaie de pousser dans ton cœur depuis qu'il parle là? Chaque jour, je parle ici, là, je prêche seulement là. Je ne suis pas folle, hein? Dieu m'a envoyé pour vous sortir de là où vous êtes là. Il y en a parmi vous depuis même 3 ans, vous êtes dans le noir. Vous avez laissé les pasteurs fatigués. C'est l'obscurité totale, tu ne vois pas. Tu vas t'élever. Tu vas avancer. Tu vas te remettre. Donc, avant que l'homme n'en entre dans ta vie, à cela 5 ans, là où tu étais là, tu sais que si tu ne commençais pas avec lui, c'est que tu aujourd'hui là, tu es très loin. Il te prend en 5 ans, il te ramène encore en arrière de 10 ans. En 6 mois, tu vas rattraper les 5 ans que tu as perdu là. Mais tu dois croire. Il y en a parmi vous, votre vie amoureuse va être restaurée. Tu vas rester comme ça dans 1 an. Un homme sort de nulle part, il te dit que mamie veut me marier qu'avec toi. Tu dis, oh, moi je suis un vieil, j'ai 47 ans. Oh. Il dit que, ouais, pardon, laisse-moi tout ça. Il veut me marier qu'avec toi. Jusqu'à tu as raison, ça, tu dis que, hé.
Donc voilà, c'est à 48 ans que tu vas porter la robe blanche. Le temps de Dieu est. Parfois, vous devez aller lire la Bible. Voyez un peu Abraham et sa femme. Allez un peu les voir d'eux. On dit un père de 75 ans ou de 90 ans que tu vas voir l'enfant. C'est 25 ans plus tard qu'il voit l'enfant. Vous n'avez pas encore attendu pour la promesse là. Mais cette fois, en attendant, vous devez déclarer et croire. Abraham avait changé son nom. Hein. Il est parti de Abraham à Abraham. Abraham, ça veut dire père de plusieurs nations. Tu es là, ta femme est stérile, tu es stérile. Ça fait 5 ans qu'on t'appelle père de beaucoup d'enfants. Ce n'est pas le courage. Vous pensez que vous avez souffert. Vous n'avez pas encore souffert. Tu dois voir. C'est pour ça que Dieu lui disait que va, tu vois quoi? Mettre aux regards le ciel, tu vois quoi? Tu peux compter? Il dit non. C'est comme ça que je vais faire tes enfants. Un moment, vous avez tellement de magasins qu'il y a même pour compter. Vous... Le genre d'argent qui va venir, le store number 57 va t'envoyer l'argent. Le magasin numéro 70 va t'envoyer l'argent. Vous croyez que quand Dieu vous met les rêves dans votre cœur, il ne les montre pas aussi. Il voit en vous que mais, la fille, là, elle est venue dans mon magasin en 6 mois, elle a relevé mon magasin. Hein. Si elle ne connaît pas créer sa part, c'est que c'est fini. Je vais vous dire les bonnes choses. Je vais vous tolérer les vraies choses. Toi-même, tu dois d'abord croire. Jusqu'avant que quelqu'un vienne te dire que je crois en toi, je crois en toi. Tu dis que non, 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 non. Moi-même, je crois en moi. Tu vois souvent quand quelqu'un vient venir pour toi, il fait comme s'il te soutenait trop. Il dit, ouais, je te soutiens, je crois en toi, ma fille. Tu dis, oui, tonton, moi, je crois en moi, tonton. Tu dis, t'as pas avec la force. Jusqu'à lui-même, il est encore frustré que eux. Parce que c'est vrai, tonton, je crois en moi. Bonsoir, le roi. Roi Théo, bonsoir. Je faisais le direct flash, comme flash info. Il y avait deux, trois personnes qu'il fallait un peu relever ce soir. Les pensées commençaient déjà à vous tomber dessus. Dieu m'a dit qu'il non, il faut que je vienne un peu parler. Vous devez vous lever. Levez-vous. Get up. Get up. Il y a des gens que quand ils restent comme ça, ils savent que votre succès, c'est seulement question de temps. On sait que la fille va réussir. On sait qu'elle va percer. On a seulement peur du jour où ça va arriver. Will you fear this girl? Parce que quand elle va réaliser qui elle est, quand elle va savoir qui elle est, quand elle va savoir qu'on ne peut pas l'arrêter, quand... Oh, ya, ya, karabakasha, karabakasa. Oh, tu vas marcher en roue comme ça, là, tout le monde va quitter son chemin. Tu te lèves le matin que je veux partir ouvrir telle chose. Pas, tu cherches le magasin, tu trouves en deux jours. Pas tes trucs, depuis 6 mois, tu cherches le magasin, tu ne trouves pas là. Amen, Théo. Moi-même, je crois à mon magasin Afrique Tamer Online. Hmm? Les vêtements des choisis. Il y a l'onction sur la bici. Il y a des endroits que quand j'arrive, voici comment je suis sortie aujourd'hui, j'étais habillée comme ça.
Parfois, j'arrive, je marche. Parfois, il y a des moments où je suis perdue dans mes pensées. J'oublie que je suis une reine. Après, on me dit, oh. Il y a un restaurant, je suis arrivée là-bas, on me demande mon nom. Je dis que je suis la reine Jocelyne. Puisque les serveurs, on est là-bas aujourd'hui, les serveuses, elles me disent, ouais, ma reine, ma reine. Les gens avaient dit, je te dis que, hey, mais la fin, la chaîne est sérieuse. Hein. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous, vous êtes des rois et des reines comme ça. Vous, je crois qu'on s'habitue déjà sur la page ici à s'appeler roi et reine. C'est même que pour toi, quand quelqu'un m'appelle Jocelyne, je dis, mais c'est pas que je suis reine Jocelyne, tu m'appelles Jocelyne. Reine Jocelyne. C'est un jour qu'on te voit avec la bise, qu'on se dit, hey, on se pousse seulement. Ne gardez pas vos habits pour les jours de fête. Tu as vu un roi qui dit qu'il porte sa couronne une fois par mois, quand il y a la fête. Ce sont mes attributs qui permettent que les gens sachent qui je suis. Attendez. Attendez. La vision que Dieu m'a donnée pour les vêtements des choisis, c'est... Tu dois ouvrir ton armoire comme ça, là, tu cherches que je mets quelle couronne aujourd'hui. Je mets quelle, pas les trucs que... Non, 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 non. Je mets quel bracelet, je mets quel... Ça doit te... Tu dois t'habituer, donc, même dans le rêve. Tu dis, hey, j'ai oublié ma couronne est où? Merci Théo. J'ai fini de parler. Je vais prendre une question. Si quelqu'un a une question, qu'il la tape. Comme ça. On va voir si la question là va me retenir encore ici. Lydie Kedi. Ouais. Était clair encore quoi? J'éclaire quoi sur toi? Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ce que tu dis? On te dit de laisser le travail. Ils vont t'envoyer en mission. Parce qu'il ne faut pas, il ne faut pas vous tromper sur ce qu'on appelle servir Dieu. Je sais Dieu quand je prends les talents qu'il a mis en moi. Je les offre au monde. Dans les rêves qu'il a déposés en moi, je les concrétise. Je voyais l'orphelinat, je crée l'orphelinat. Je voyais ceci, je crée. Servir, tu ne savais pas seulement dire que tu vas venir nettoyer l'église. Tu vas aller évangéliser avec eux tous les jours. Donc soyez sage. Be wise. Comment faire pour se purifier? Se purifier de quoi? Bon, tu as les rêves où tu vois, tu as toujours beaucoup d'argent. C'est le problème, c'est quoi? Ça veut dire que tu es pauvre dans la réalité. Dieu essaie de te montrer que tu seras riche. Tu n'arrives pas à voir dans la réalité. Il faut qu'il passe par le rêve pour te montrer. Si tu couches avec n'importe qui, tu veux te purifier, premièrement, arrête de coucher d'abord. Demande pardon à Jésus-Christ pour avoir péché contre le temple qu'il t'a donné. Et puis maintenant, la purification physique. Se purifier de nos péchés. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Jésus n'est pas compliqué, hein. 1 Jean 1, 9.
1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Confesse tes péchés. La parole purifie. Jean, chapitre 17. Voilà ta deuxième purification. C'est que vous attendez que vous dites lave-toi avec le sel, fait comme ça. Avant d'arriver au sel, fais d'abord l'autre ici, spirituel. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Certains mamies, vous dites qu'on commence à faire étude biblique, là, vous fuyez. Parce que moi, je vous ai dit, je vais tout vous donner tout le package. Je ne vais pas donner un, je vais laisser l'autre. Je vais vous équiper 360 degrés. Seigneur, je demande pardon de t'avoir offensé. Je demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Libère-moi. Sauve-moi. Guide-moi. Je crois que je suis purifié. Je crois que je suis pardonné. Parce que dans 1 Jean 1, verset 9, tu as dit que je suis pardonné si je demande pardon. J'accepte ce pardon et je suis pardonné maintenant. Amen. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Jacques 4, non, Jacques chapitre 5, verset 16 ou 17. Je vais passer à une autre question que j'ai oubliée. Ces petits cons-là n'arrêtent pas vraiment. Je pense que c'était tout. Bonsoir les Decepticons qui me regardent chaque soir. Ouais, je vois souvent quelqu'un qui commande comme ça. Je suis que je veux savoir qui je suis. Comment tu veux que c'est moi qui te dise qui tu es? Si ton cœur est noir, tu veux que je te dise que ton cœur est blanc. C'est toi qui connais ton, comment ton cœur est, non? Je veux savoir qui je suis. Maintenant, vos questions de tentation là. Quand on a une intuition trop poussée, l'intuition n'est jamais trop poussée. Hein. Tous les choisis sont très intuitifs. Mais il y en a qui font des choses. Si tu es peut-être dans le péché, ton intuition va un peu. Tu seras moins sensible à la voix de l'esprit. Quand les personnes vont te parler, tu vas prendre temps. Maintenant, quand tu commences à te purifier, ça te rapproche de Dieu. Donc, ce n'est pas négatif. Hein, au contraire, je suis contente quand mon intuition est développée. Je capte tout ce que Dieu me dit. Dieu veut vous amener dans la richesse. Ouais, Andel Kebrian. Je n'aime pas les questions comme ça parce que c'est. Comment on fait pour savoir qui je suis? Tu es Andel Kebrian. Tu as compris Andel Kebrian. Voilà. Comme ça que vous-même vous confondez vous-même. L'esprit te parle, après tu dis que je ne connais pas. Comment savoir que l'esprit me parle? Il te parle chaque jour. Comment savoir que l'esprit me parle? On explique même dans la vidéo. Parfois, il fait la vidéo. Hein. Le titre de la vidéo, c'est comment écouter l'esprit. J'explique pendant une heure. Après une heure, quelqu'un se pointe dans la vidéo et dit comment savoir que l'esprit me parle? Il demande des sept icônes. Il faut partir là-bas. Tu veux m'envoyer des questions? Je ne suis pas là. Tu es Andel Kebrian. Si j'ai besoin de jamais, quand on te dit qui tu es, tu ne crois pas. Après, je vais me dire comment? Il te dit maintenant, tu vas me dire comment? Comme la soeur qui est venue là.
Je me dis que si on t'a dit à l'église de quitter ton boulot pour servir Dieu, quitte l'église, elle vient me demander que comment. On quitte l'église comment? Souvent, ma patronne a dit que, elle va prendre ma vidéo, elle va partir leur montrer que, hé, fille, ma vie, je vous quitter. Regardez-la, voilà. Vous voyez, non? Vous savez pas ce que vous voulez. Tu n'es pas dispersé. Quand les jours je parle d'argent ici, là, je vous dis toujours que il y en a parmi vous, vous avez 8 business en vous. Maintenant, quand toi-même tu dis que tu es dispersé, ton esprit va croire que tu es dispersé. C'est comme ça que tu vas être vraiment dispersé. Tu ne peux pas devenir millionnaire ou milliardaire avec une source de revenus. C'est ce qu'on vous a dit. C'est pour ça que vous partez travailler chaque jour à un seul endroit. 8h, 17h, 8h, 17h. Ce n'est pas la folie. Partez d'où travailler. Bon, vous avez quoi? Vous avez les questions qui m'énervent même. La spiritualité est simple. C'est pas parce que vous voulez tout comprendre. Que Seigneur, comme ça, là, pourquoi c'est comme ça là? Pourquoi tu me dis de croire comme ça là? Spiritualité simple. Très simple. Tu es choisi. Ok, je suis choisi. Comment savoir que je suis choisi? Tu es choisi. Alors, ton cœur te dit ça depuis. Je vous ai dit que j'ai une formation qui arrive le 20 octobre. Beaucoup, je suis au moins 1000 personnes qui regardent la vidéo là. Il y a peut-être 2 personnes ou 3 personnes qui m'ont dit que je suis intéressée. Après, je vais venir. Comment savoir que je suis choisi? Comment? Voilà, laissez comme ça. Moi, on peut que Dieu va toujours vous donner l'opportunité. Celui qui veut rester dans sa bêtise, ne t'inquiète pas. Même dans 10 ans, tu seras tenté de demander comment savoir que je suis choisi? Est-ce que je suis choisi? Je suis qui? Reste dedans. Bon, ce qui va se passer, je pense qu'elle répondra à certaines de vos questions. À part celles qui étaient vraiment pas très intelligentes, parce que j'ai répondu ça sur ma page au moins dans 10 directs. Et vous venez, vous n'écoutez pas mes directs. Vous n'écoutez pas mes directs. Oui, ma reine, je t'ai écouté seulement 5 minutes. Alors que je parle chaque soir. Je passe des soirées comme ça, je parle 2 heures de temps. Tu tombes sur mon direct, tu n'écoutes pas. Tu m'écris, je me dis, je fais comment pour ça? Je dis, va écouter ce que je dis. Va écouter d'abord. Ça va t'éveiller. Tu vas prendre conscience. Tu vas rester ton conscience, tu vas dire, hé! Il y a les sciences ici où je vous montre comment vous diagnostiquez vous-même, comment voir que ta vie n'avance pas. Donc quand tu m'approches, tu dis que ma reine, est-ce que ma vie avance ou pas? Tu dois déjà savoir en m'approchant. Charlotte, je vais plus te répondre, tu as compris. Bonne soirée. Bye bye.